On vous dise. Donc ouais, je... Ne vous plantez pas, Pascal. Ouais, t'inquiète. Alors, je prévois de faire au moins 10 vidéos sur le décodage. Faut me laisser avoir pour un putain d'ordi. Tiens, Verlaine, capitaine du Torrent, je transporte avec moi 3 passagers pour le train de Rue Montagnier. Vous détenez la boîte noire du Nostromo, nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat à vous. Ah d'accord, la boîte noire tout à l'heure c'était celle du Nostromo qui marchait pas ou je sais pas quoi là, je crois. Ok. Et Diane c'est le capitaine, ok, du Torrens, là on était quoi. D'accord. Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ah, c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure le message. Est-ce qu'un membre de notre équipe Eva est parvenu à bord? Répondez s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je pourrais en avancer pour l'instant. Ouais. Ici, ouais, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos conditions sont HS. Vous devez envoyer un message urgent d'un port. Vous recevez. Ça, on n'avait pas eu ça. Rester en arrière et envoyer des secours. Ah bah ça on l'avait pas eu forcément ce message. D'accord. Oula. Sur le cul, ça lui fait du bien, c'est comme oui. Ah bah oui, c'est, leur... c'est comme les gosses. Dans la gueule pour les gars. Super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Trouver un autre moyen de communication. Au fait, c'est à vous, monsieur. Bah, je continue sur celui-là et puis vous ferez la prochaine. Donc en gros, c'est pas possible de contacter, quoi. Non. Ça marche pas. S'il y a un alien, tu peux le faire sortir. Oui, non, mais ça va aller. Après, vous arrangez avec lui. C'est des bruits chelous quand même, hein. C'est à votre tour. C'est comment pour allumer la torche? Triangle. Ah mais j'ai plus de piles. Ah. Ah bah ouais. Oh non, ça c'est l'alien qui vous court. Oula. Il y avait un robot là tout à l'heure. C'est la vue lorsque vous recentrez le détecteur. Maintenez L2 pour recentrer L2. C'est bon savoir, on peut se planter ici. Quelque chose en face. Ah, j'allais dire bonjour. Plus le bruit devient intense, plus ça se rapproche normalement. Plus c'est loin, ça fait bip, bip. Et plus c'est proche, plus les bips se rapprochent. Ça fait bip, 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 quand c'est juste là. C'était pour informer Pinkfold de comment ça marchait.
autour. Par là. Est-ce que t'es mon salaud? Ah, t'es là-bas. Je serais bien tenté de lui envoyer des 2 ou 3 basseuses dans la tête de loin, mais bon. Ça servira à rien. Tu crois? C'est un endroit. Enfin, pas un androïde. Si. Attends, je vais juste m'assurer que comme ça il peut pas me voir avec la touche maintenue. Putain. Mais en gros, c'est des cons qui contrôlent l'endroit où on est, quoi. Bah. Apollo, apparemment. Espèce d'IA. Il faut que je voie où est-ce que je peux passer. Là-bas, là, peut-être. Je vais tenter ma chance là-bas. Communication interne. J'ai pas l'impression qu'il puisse te voir. Hein. C'est l'impression qu'il m'a vu, moi. Si tu leur fais rien, t'es sûr qu'ils font rien? Enfin, qu'ils font un truc? Je vais tenter un truc. C'est couillu ça! Oh enculé, tu m'as pas vu. Je te disais la touche donc. J'étais sûr qu'ils peuvent quand même faire un truc même si. Ah oui! Si tu veux, je sors et je te montre, mais j'y tiens pas trop. Oh. Enculé, il a failli me voir. Ah, il y a des interférences en fait dans les tunnels. Ça détecte pas, je crois. Parce qu'il est à côté. Ah, il va me repérer là. On va tenter sa chance. Il semblerait. Je sais pas par contre si c'est le bon chemin. Eh non. Visiblement c'était de l'autre côté. Ouais. Visiblement c'était de l'autre côté. J'avais une chance sur deux. Et c'est raté. Bon bah va falloir aller en face. Putain, ils me voient quoi. Ouais. Non! Il peut pas venir. Je sais pas. Merci pour cette démonstration, effectivement j'ai confirmation. Il me cherche. Je peux toujours lâcher un fumigène mais bon. En fait toi je l'aurais tiré dans le pied et tout jusqu'à le crever vu comme t'es dessous. Mais... J'ai une idée. Attends. Je vais utiliser ça pour attirer leur attention.
pense que ça va les attirer. Tu vas pas avancer dans l'espace. Et je pense qu'ils sont grands en fait. Bah je vais attendre juste qu'ils se barrent. Le souvenir, il reste pas longtemps de l'autre côté. Donc je vais peut-être attendre qu'ils reviennent pour passer. Il va pas rester longtemps là, il va revenir. Après il va être pris sur son ordi un moment. J'ai pas envie de me faire baiser. Ouais tu vois. Ouais, ça peut faire 15 secondes. Non c'est bon. Je crois que le fumigène, l'autre ça l'a attiré. Peu de couillon là. Attends, je sais pas si c'est le bon ordi ça. Oh là là. T'es au bon endroit là. Alors attends. C'est quoi ce délire ? C'est l'autre ? Ouais, c'est ça. On peut se cacher là. Je vais aller voir par là. Putain, c'est pas très engageant ici. C'est en culé. Oh putain. C'est quoi ça ? C'est un objet. Non, il y avait un point plus loin. Attends. Ouais, si, c'est par là. Hein. Il n'y a pas de sauvegarde là, putain. Ouais, c'est par là. Ouais. J'ai entendu un bruit très bizarre quand même là. Ça n'avait pas l'air robot ni humain. Je prépare ça au cas où. C'est jamais hein. T'as bien raison. Putain. Tu vois bien qu'il y a personne qui te répond, enculé. Ça a l'air d'être des beaux enculés ceux-là. Encore pire que Wayland. Oula. Faut pas se cacher là. Si, derrière. Ah, j'utilisais là. C'est bon à savoir. J'ai bien fait. C'est le mec qui laisse. Enculé, il est pas passé loin. Il laisse le détecteur dans le casier qui sonne. Ouais. Là, on n'aurait pas utilisé le détecteur, c'était foutu. Ça c'est le sang des druides. Ah quel bâtard! Putain les fils de pute quoi! J'ai flippé.